TPS pour Haïtien, en fait, c'est un sujet qui brûle là, puisque c'est vrai qu'il nous parle de lui souvent, mais il est toujours en inquiétude, là, car la communauté, puisque en pile dans mon yo, il y a dit, travailleur a dit, il y a une telle date là, il y a un délai, il dit à partir du 30 juin, il n'y a pas de cas qui dans le travail là. Et ce n'est pas faute de boss, ce n'est pas pour ennuyer. Vous comprenez? So, il y a un problème, bien que nous-mêmes nous étions quoi, et pas nous que l'État, il faut être clair sur ça, mais nous croyons que. Et l'administration pour le Dumba. Et suivant la loi pour le Dumba, j'aime toujours dire 60 jours avant la date là, qui c'est toi. TPS, j'aime tout connaître, supposé expliquer toi. Qui j'aime bien l'aïe, ça va empêcher qu'il y ait une organisation, justement, dit, mon yo pressé, pressé, fait ça n'a pas fait. Dans l'article que nous avons gardé là, qui sorti dans Miami Herald, il y a effectivement, qui est, je crois, par Marlène Bastien, qui c'est ancien directeur de Family Network Movement Femme. Family Network Movement Femme. Et membre, ils sont membres de et National Haitian American Elected Official. Ils sont Miami de son commissionnaire. Et qu'effectivement, ils étaient tout profité pendant que Biden a visité Tampa semaine qui se passait là. Ils ont dit, puisque l'on dit Biden visite Tampa, Biden visite Florida. Pas battre nous menti. Noyau communauté haïtienne, c'est dans Florida. Pendant que Biden a visité Tampa et qu'il était tiré attention, il dit que l'important pour que effectivement li extend dans cet bagage qui plus simple non pas quoi que en fait nous refuser quoi que ou ta en fait nous pas même imaginer que cause pour pouvoir pas ta extend et on dit pour extend tout ça gain pour reconduire et redésigner ya je nous connais là c'est permettre nouveau monde entrer là-dedans c'est ça que du c'est demande ça que formuler by Biden et maintenant faut nous dire que il y a un peu de monde qui prend interview Mayor Casté by au mois de cela côté que il dit lui-même il pas dans il pas prendre aucune considération pour TPS dans moment et c'est des monde que peut-être qui pas comprendre politique TPS là laissez-moi rappeler à tout le monde causer qui gagne dans TPS ou pas jamais par principe aucun l'état pas supposé auparavant dire pour le bail TPS ou bien pas supposé ça pas gagne droit ça parce que autrement s'il fait ils sont invitation à entrer pour dire nous pour gagner TPS. Et c'est ce principe ça pour nous comprendre, pour capable comprendre le discours de Mayorkas qui dit lui-même, il ne peut pas faire aucune considération pour causer TPS, il est obligé de parler comme ça. Et donc, pour nous retourner sur l'article ça, qui est un amiral qui sortit, qui dit que, qui t'a demandé Biden pendant la visite Tampa, et côté que de dit, le temps pour considérer extend et statut TPS pour moi. Et donc, vous pensez que l'administration Biden, c'est une nécessité, je vous dis, à la fois pour l'extend, mais pour lui redésigner TPS là, pendant qu'il a visité le sud de la Floride la semaine qui se passait là. Et il dit que pendant que en condition inhumaine, en condition horrifique, ou pas qu'il soit capable de décrire justement et ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Donc, extension TPS redésignation, c'est justement action raisonnable qui t'a supposé faite là, tenant compte de crise pays d'Haïti et qui c'est résultat du fait que du régime BHTK pendant plusieurs années qui a régénéré tête dit pas oublier que et justement premier ministre général là son produit de BHTK et côté que gang jeune jodi a yo engagé au dans des attaques coordonnées dans capitale là côté que justement yo kembe et justement moun yo en otage gang yo. Ils ont compté pour plus presque 22 stations de police qui ont crasé et ils ont exécuté en pile officiers de police 19 et qui ont exécuté crasé prison ils lagué presque 4500 prisonniers dans la rue ils ont attaqué l'hôpital ils ont attaqué mon aveugle ils ont pas bien ils ont pas aucune conscience et d'ailleurs j'aime toujours dire nous-mêmes nous pas quoi que Monsa aussi haïtien, ils ont fermé les portes, ils ont bloqué tout route, bloqué l'école, bloqué pharmacie, l'hôpital. C'est le résultat justement produit mais ça qui les têtes ont mouru ensemble. Ils ont estimé voir 2500 monde que gang ça a tué de janvier à mars. Bon, ça a connu de janvier à mars. Et ils ont parlé de 1 400 000 monde particulièrement femmes et garçons, je ne veux dire qui plus proche de sa nouvelle famine. Et
Cause le pays d'Haïti qui depuis 2019 pas gain aucune structure démocratique, pas gain parlement, pas vraiment gain rien. Et donc il est clair que devant une situation pareille, vous pensez que toute recette la fait là, toutes conditions réunies et pour que vous ta justement redésigné TPS encore pour le pays d'Haïti. Et donc nos styles, pas bien que nous à peine gagne un conseil présidentiel qui nommé, mais pour qu'un gouvernement de souligner pour mon ça pour nous, pour qu'un gouvernement de pour qu'un gouvernement ou pour même parler des exercices de pouvoir de Nexario, pour qu'on va parler de parce que simplement vous dites, puisque c'est vrai que le gouvernement d'Ariel est démissionné, mais c'est un gouvernement démissionnaire qui travaille dans le moment là. C'est un gouvernement démissionnaire qui travaille dans le moment là. Donc le gouvernement du conseil présidentiel là, l'IPOCO actualisé d'ailleurs, il y a un mois décidé pour choisir un président, s'il a fait, on va voir. Et donc dans ce sens, dans la bataille pour Haïtien au gain TPS, déjà tu as 480 groupes, divers groupes, qui travaillent dans le domaine de l'immigration, qui travaillent sur les droits humains, et des groupes religieux, des groupes de droit civil, et justement, ils ont plaidé pour que l'administration Biden éteigne TPS, pour que ça soit redésigné, ils ont demandé. Et donc voilà, et ils sont ensemble pour que je dise, je vais priver ce nom, le time is now. Et du time is now, et mais faut être d'accord que effectivement quand la paix reste dehors, on va comprendre le conseil travaille dans moi et puis boss la poton lettre baou lui dit que madame et à partir du 30 janvier pas qu'on travaille là. C'est vrai que tout le temps m'a dit non là qu'il y a sorti, mais et là ouel ou quoi on va connaître, est-ce que c'est ça lié, faut être d'accord parce que par expérience faut dire qu'il va falloir que on fasse un bout d'amour, yo qu'on temps. Bien que yo t'a supposé faire exactement 3 juin. Yo t'a supposé sortir à l'instant 3 juin. Exactement, et approximativement non, moi et quelques jours. Yo t'a supposé sortir. Et, but, nous vraiment, pas qu'à douce exactement 3 juin à sortir notre là. Et nous comprenons tout. Et les gens ne viennent pas ici. Vous voyez, c'est travail. C'est travail. En pile là, dans le jour jeudi, il y a vu avec quel sauté. C'est ça qui passe. Parce que je sais là où on bagaille pour qu'on ait fait. Ok? Et donc là, on va parler de TPS. C'est presque 200, et pas presque non, c'est à peu près 212 000 mounoui. Tout TPS confondu. 212 000. Donc c'est 212 000 mounoui là qui sont en situation d'incertitude. Puisque Yopoko et Yopoko est officiellement désigné qui va permettre que Mounsao fait une application. Il parle bien bon notre cap sorti, notre la clé qui dit qu'il y a une extension. À bon extension sur quatre travail pour permettre de régler cause dans DMV à travers la censure, mais que ou capable de mettre notre là tout bas et bosso et ou capable venir avec un préparateur depuis notre la sortie et les notes la sortie parce que c'est là tout notre là qu'on sortie mon va l'entrée et puis faut qu'on tente les sorties dans USCIS pour commencer officiellement à remplir quatre travail là, mais tout au moins depuis notre la sortie ou à venir dans fédéral registre son note officiel. N'importe travail qui compte monde t'a supposé qu'attendre ou t'a supposé qu'accepter ça en attendant. Parce que les autres, si on prend un mois, ça arrive le 3 juillet, côté que vous appliquez sur le website USCIS. Ok? Mais après notre là, tout au moins pensez, sous-point notre là, vous mettez by boss, il faut être capable de poser. Ok, guys?